on connaît bien la société Dupont, aussi appelée EI Dupont de Nemours et Compagnie, firme multinationale du domaine de la chimie et de la biologie. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires atteint plus de 35 milliards de dollars et elle emploie près de 65 000 personnes à travers le monde. Il s'avère que cette entreprise est liée de près au destin de Pierre-Samuel Dupont de Nemours, économiste français de l'école physiocratique. Né en 1739, Pierre-Samuel Dupont de Nemours se rapprocha des physiocrates dès l'âge de 24 ans. À l'époque, il se cherchait un peu une vocation, et ayant lu une courte brochure intitulée « La richesse de l'État », il entreprit d'en faire la critique, car elle était remplie d'inepties du point de vue économique. Il publia donc des réflexions sur la richesse de l'État en 1763. Le public vanta cet écrit et des lecteurs lui dirent « Vous êtes un disciple de Mirabeau ». Or, Dupont de Nemours ne connaissait pas Mirabeau. Intrigué, il se mit à lire les écrits de Mirabeau, l'ami des hommes, et la théorie de l'impôt. Il rencontra Mirabeau, puis Quesnay, et intégra leur école. En 1765, on lui proposa de diriger le journal de l'agriculture, du commerce et des finances, la publication périodique la plus en vue à l'époque dans le domaine des réflexions économiques. La raison en était double. Mirabeau et Quesnay devaient garder le silence, mais c'est aussi qu'on reconnaissait en Dupont de Nemours un futur grand. Les témoignages des membres de l'école physiocratique concordent pour dire que Dupont de Nemours devint très vite le favori aux yeux de François Quesnay. Celui-ci disait « Il faut soigner ce jeune homme car il parlera quand nous serons morts ». L'un des physiocrates, Abeille, fut d'ailleurs jaloux de toute l'attention portée à Dupont de Nemours et s'éloigna de l'école de Quesnay. Dupont de Nemours garda toujours intacte la grande estime qu'il avait pour Quesnay. Il dira un jour « Je n'étais qu'un enfant quand Quesnay me tendit les bras ». C'est lui qui a fait de moi un homme. C'est Quesnay en tout cas qui fit de Dupont de Nemours un économiste majeur sur la scène littéraire de l'époque. Après le journal de l'agriculture, on lui offrit la direction des éphémérides du citoyen, devenu l'organe officiel des physiocrates. Il a fait de ce recueil périodique un haut lieu de la théorie économique, le soutenant même dans la période de déclin des physiocrates, en rédigeant de lui-même la presque totalité des derniers volumes. C'est Dupont de Nemours d'ailleurs qui inventa le terme « physiocratie » à partir de deux mots grecs signifiant ensemble « le gouvernement de la nature ». Il utilisa ce terme pour intituler un recueil d'articles de Quesnay, qui paraîtra en 1768, et celui-ci s'imposa finalement dans l'histoire. On sait qu'entre eux, les physiocrates se nommaient les économistes, et c'est encore comme cela qu'on les appelait sous la Révolution. Lors du passage de Turgot au ministère, Dupont de Nemours devint son conseiller spécial, et fut le seul physiocrate en rapport avec Turgot, celui-ci évitant de fréquenter les autres. Au moment de la Révolution, il se fait élire dans le bailliage de Nemours et se retrouve à l'Assemblée, où siège un autre monsieur Dupont. On l'appelle alors Dupont de Nemours, quoiqu'il ne fût pas noble, mais simplement pour le distinguer de l'autre. Là encore, le nom est resté. Sous la Révolution, il prend les armes en août 1792 pour défendre le roi au palais des Tuileries face à la foule. Le roi lui dit « Monsieur Dupont, on vous trouve toujours là où on a besoin de vous ». Après avoir échappé miraculeusement à la terreur, condamné, il attend d'être guillotiné, mais en réchappe, suite à la chute de Robespierre, il fut poussé à l'exil sous Napoléon et trouva le bonheur aux États-Unis, où l'un de ses fils fonda avec l'assistance paternelle la Dupont Compagnie. Malgré cette vie bien remplie, pendant laquelle il publia des dizaines et des dizaines d'articles, de brochures et de livres, il est resté jusqu'à ce jour encore assez peu connu. Il paye peut-être le fait d'être resté un physiocrate convaincu jusqu'à une époque où cette doctrine était entièrement passée de mode. Car en effet, comme l'écrira Schumpeter, Dupont de Nemours resta fidèle à la physiocratie tout au long d'une carrière au cours de laquelle les occasions de la renier ne manquèrent pas. C'était un homme de conviction.